Petite information, sur l'épisode 4 de Marvel. Les snipers ici et ici. Eh bien, j'ai l'impression que Stoddard a pris les choses en main. Je m'en fous. On l'a eu les premiers. Nick. Hey, vérifie d'abord si elle est dérouillée, petit futé. Enfin, un coup de bol. Coup de feu. Là, on passe à l'action. Et puis quoi encore? Demande à tes hommes de faire diversion. Hé, hey, par ici. Il est où? Esca, attention. Allez, je répète ça. Lâche l'affaire. On s'en occupe, sergent. Oh, putain, c'est pas... J'ai dit, on s'en occupe. Kyle, qu'est-ce que tu fous, bordel? Je le vois. Putain, non, c'est encore ce qui est encore pire à jouer. Qu'est-ce que c'est une tirée, putain? Vous avez pas, ça va être chiant en jeu. Mais c'est vrai, non. Faites-le ça, lâche l'affaire. On s'en occupe, sergent. Et putain, c'est pas du tout. J'ai dit, on s'en occupe. Kyle, qu'est-ce que tu fous, bordel? Cassez-le. Ça devrait te servir. À toutes les unités, stand-by. Plus d'infos à venir. Je me tiens. Tu es ce connard. Allez, bouge. Cet étage. Bon. J'espère que tu sais ce que tu fais maintenant, ça. Pour info, nos renforts sont en route. Allez, go! Montez par là!
info, nos renforts sont en route. C'est pas arrêté. Sécurise le périmètre. On va pas tarder à lancer l'assaut. Je vois. Tirez-lui dessus. En place pour enfoncer la porte de devant. Par ici. Allez, chopez-le. Tout est prêt. Reste plus qu'à frapper à la porte. Par là. Éliminez ce connard. On y est. J'attaque les suspects. Et voilà. Ness, baissez votre arme. Tout de suite. J'ai accepté son offre. Vous, Stoddard, prenez tout. Moi, je me tire. Lâchez votre arme et on pourra parler de Stoddard, de vos arrangements, de ce que... C'est série de Stoddard, dans le mode qu'est-ce que tu fous que je t'ai bah, sauvé, Mendoza. Il venait de se rendre. Nick, laisse tomber. Et moi, je dis que t'étais en danger. Ouais, ouais. Le seul danger, c'est qu'il parlait d'un arrangement entre vous. Laisse tomber, Nick. Sûrement pas. Non, 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 je suis curieux. Nels, t'as dit quelque chose d'intéressant, Nick? Ça suffit. Écoute, ta collègue, c'est quelqu'un de très futé. Et... Viens, avant que les autres arrivent. Tu te fous de moi? Tiens, Nick. Bravo, excellent travail. Très futé. Je comprends mieux.
parce que c'était avant midi. Mais bon, je suis du matin. Oh, 4 sur 10. Je m'inscris en faux contre votre évaluation basique des faits. Mais je comprends. Merci beaucoup d'avoir pris le temps. C'était l'honorable Naomi Kushner. Que pense-t-on de la juge Kushner dans les parages? Pourrie de gauche. Son Altesse ne me donnera pas de mandat de perquisition pour certains associés de Neltz. Ce n'est pas grave. En temps de guerre, on se conforme aux règles? Capitaine Dawes. Je crois... On forme un conseil tribal. Et j'ai conscience que dans notre tribu, certains membres posent problème. Il n'a pas pris l'argent. C'était une épreuve. Il fallait que je sache si t'étais fiable. Depuis le tout début, ta partenaire me soutient, Kui. Bon, si je comprends bien, Neltz a parlé d'un deal avec Stoddard. C'est ça, en effet. Alors retournez au bureau de Neltz et trouvez-moi du concret que je saisisse les affaires internes. Je sais qu'un ouragan approche, inspecteur. Mais le temps presse. Oui, chef. Bordel! Les experts ont déjà enquêté, mais qu'est-ce qu'on fout là? Ils venaient pas chercher des preuves contre Stoddard. Si on trouve quoi que ce soit, on en réfère direct à Dawes. Si on saisit la police des Dawes, Dawes réglera le problème. Ouais. Si Stoddard tombe, ça ne profitera à personne. Parce qu'il y a un sniper, tu vas ressortir de mur. C'est aussi bien que moi. Tu pouvais buter n'importe qui à la porte que l'histoire. Je vais monter la garde. Et toi, vas-y. Trouve-nous des preuves pour le faire tomber. Volontiers. Quand t'es tiré de en mode vétéran, c'est la dèche. J'ai dû penser ça, mais une bille. Je vais faire le tour du bâtiment, peut-être fouiller les poubelles. Bonne idée. Mais reste en contact. Quand tu sais comment il faut aller. Pas de temps de service. Probablement. Les ripoux se serrent les coudes. Espérons qu'ils n'ont pas trouvé de preuves. Ça me surprendrait pas. Si Stoddard était stupide, il aurait déjà fini en tôle. Ok. Je crois que je peux décrypter ce code. Ok, je peux... Police. Je peux... Assurance de Rémy Nelt. Première prise. Vendredi 14 août au soir. Je vais voir Stoddard. Maintenant, il faut trouver des conditions de collaboration qui nous conviennent à tous les deux. À mon avis, c'est une... Stoddard. Je te tiens. Kai, j'ai trouvé un truc. Je descends. Ok, moi je suis en bas dans le conteneur de fret. Pas pinou. Pas de lapin, c'est un pinou. Je sais pas pourquoi je dis pinou sur le bout de lapin, mais bon. Pinou, c'est comment on appelle pinou? T'as trouvé? Ah, mini pinou. Nel, c'est Stoddard, les grandes confessions. Mimi pinou. On a du concret pour les affaires internes. Rémy stockait son cache quelque part. Je parie que Stoddard est aussi à sa recherche. Regarde là. C'est quoi ce truc? Je préfère pas savoir, c'est pas mon domaine. D'après Internet, le seul endroit à Miami à vendre ces trucs, c'est Domo Roboto, à Palm Court, le centre commercial. Il aurait pas caché son fric là. Non, c'est
pourquoi j'ai chopé l'adresse de l'entrepôt. Ah, ça mérite une petite... Une belle lapine. Oh, c'est une belle lapine de maturité. De mon avis, évite l'entrée principale. Si jamais Stoddard sort sans moi, attends-toi au pire. D'accord, comme d'hab, quoi. Nick, le PC vient de me signaler un van suspect. Je le suis, d'accord? Ouais, d'accord. Mais reste en contact. Prends la fusée viron, si un peu. Ouais, d'accord. Mais reste en contact. C'est pas le moment de se taper un cyclone. Ouais, d'accord. Mais reste en contact. C'est pas le moment de se taper un cyclone. D'accord.
mais reste en contact. C'est pas le moment de se taper un cyclone. Je le suis, d'accord? Ouais, d'accord. Mais reste en contact. Deux bâtiments, truffés de gardes. Rappelle-toi ce qu'a dit Doz, Mendoza. T'emmerde pas à leur lire l'endroit. Oh.
Quand t'auras trouvé Stoddard, laisse-le parler. Peut-être qu'il dira un truc qui l'incriminera. Messieurs, votre weed, je m'en branle. D'ici 2 ans, ce sera devenu légal, de toute façon. Moi, il y a un seul truc que je veux savoir. Où est le fric de Nelt? Ce fric, il nous l'avait promis, tête de nœud. Ouais, ok. À compter d'hier, je suis nouveau boss. Vous comprenez ce que ça implique? Imagine que tu bosses sur une enquête et t'as un connard qui s'amène en te rappelant ton mérite. Tu dirais quoi? Je dirais... on peut en parler. Hmm? Alors, qu'est-ce qu'on attend? On y va? Je crois qu'il y a 10h14. Je crois qu'il y a 14. Il a emmené plusieurs hommes en bas. Ok, suis-le. Moins dangereux ici que dehors. On dirait une sorte de terminal de sécurité. Une serre. Oh putain. Et voilà Stoddard. Stoddard leur explique sans doute le fonctionnement des choses. C'est-à-dire? Les flics. Appel d'urgence, agent à terre. Si tu veux rester au niveau des autres. Et car, avec toi, Noël, on n'aura pas de...
pense que Stoddard leur explique sans doute le fonctionnement des choses. C'est-à-dire ? Les flics graissent la patte des fédéraux, on transfère... Pour une coïncidence. Trop de bol, ouais. Pose ton arme. Laisse-moi juste s'engager. Tu vas la lâcher, putain ! Nick, on peut en parler, tu sais. Nick, je file le train, c'est fumier dans le camion. Négatif. Surtout n'attaque pas. Essaie de découvrir où ils vont. Nick ! Merde, c'était quoi ça ? Rien. Rien de grave, t'inquiète. Allez, tu ne pourras pas m'arrêter, ils sont crèves tous les deux. Merde. Allez, Mendoza. Faites gaffe. Vous pourrez déployer, finir l'opération nette. Sans blague, je me demande pourquoi. Allez. Nick, ah, là-bas. Allez, vite, ça. À une voix, cela. Par ici, je le tiens. Je peux pas leur dire d'arrêter. C'est pas comme ça que ça marche, Mendoza. Je suis garé derrière. Allons-y. Alors on va la chercher. En général, Mel se postait quelques hommes dans le centre, au cas où les choses tourneraient mal. Sans compter les types que Kai poursuivait et tout ce qui se passe en ce moment. Ça va pas être simple. C'est mon équipière. Ah ouais? Ça, c'était mon boulot avant. Je suis sûr que t'aurais fait la même chose pour moi. Alors on y va. Kai, je t'entends à peine. Je sais pas ce qu'elle raconte, mais ça sent aussi.
Mais j'imagine que c'est pas la peine d'espérer des renforts. Désolé. Et grâce à toi, on travaille sans filet. Dis-moi, Nick, tu crois quand même pas que je suis le seul flic pourri de la ville? Non, mais t'es le seul que j'ai attrapé. Et tu ne m'as pas encore arrêté. Je suis sûr qu'il y a moyen de faire passer ça pour ma complicité. Ouais. Pas attendu pour le faire. Il est parti où? Tomo Roboto. C'est la boutique de Nel. Ça manque pas de clients. Mendoza, brouille-toi, je suis complètement fermé. Dépêche, Mendoza. Sinon, on va se faire ensevelir. J'ai besoin de toi tout de suite, Nick. Guy. Guy. Hey. Hey, ça va? Ah, ben, pourquoi ça irait pas? Dose est en chemin. On est censé le retrouver dans la cour. Bien. Alors on embarque, Stoddard. Oh. Il y a encore des hommes de Ned, c'est en coin. On risque d'avoir besoin de lui pour s'en tirer. Hey, t'entends ça, Nick? On aura besoin de moi. On bouge plus! Oh, merde! Comme au bout de temps! Ferme-la, Soda! Que veut simplement dire? Tous! En équipe! Prends pas trop l'habitude. Dès qu'on sera sorti d'ici, on t'emmène direct à la police des polices. Ouais, on peut d'abord essayer de sortir d'ici vivant. Ça va? Nick.
Sergent Carl Stoddard, vous avez le droit pour une fois dans votre vie de garder le silence. Tout ce que vous direz pourra être et sera utilisé. Même de ça, tribunal. Ça suffit. Tout ce que vous devez savoir se trouve là-dessus, capitaine. Laisse-moi deviner, la guerre de la drogue, c'est sa faute. Et il a encouragé un gang à en buter un autre jusqu'à ce qu'il n'en reste plus. Excepté le sien. J'ai des preuves à l'appel qui relient Neltz à un inspecteur Ripou de Miami, mais ça reste flou. Je comptais beaucoup sur vous pour trouver la dernière pièce du puzzle, et vous l'avez fait. Merci. C'est quoi ce bordel ? Eh, Nick, tu sais, je tiens à te remercier de m'avoir sauvé la peau. C'est du beau boulot. Va te faire foutre. Nick, non. Kai. La police des polices trouvera une liasse de billets dans votre appartement. $33,000 pour être exact. Précisément la somme que Nels avait retirée. Donc, la question est de savoir ce que vous avez fait du reste de l'argent, inspecteur. Mais qu'est-ce que vous foutez ? Kai a été au charbon pour vous. Plus d'une fois. Pourquoi t'as pas pris ce putain de pognon ? C'est de ça qu'il s'agit, alors ? On aura essayé, Nick. J'étais certain de te trouver une place parmi nous. Maintenant, tu préfères jouer au preux chevalier, toi. Pas vrai. Tu te berces d'illusions, fiston. J'ai dit ta gueule. Descends. Putain, mais ferme-la. Non, et tu vas faire quoi? Me foutre en tôle? Like me. Hey, MacGuff. Ta gueule. Ne mêle pas de ça, Mendoza. Je vous en prie. Et bonsoir, inspecteur. Top. Ouais. On peut dire que tous les deux, on est loin de Miami. Hé hey, Milstein, ferme ta gueule. C'est sympa de te parler, Tap. Hé hey. Écoute, il y a un deal qui se prépare en ce moment, et c'est du lourd. Garde ça pour toi, je veux pas savoir. J'y suis pour rien, moi. Je suis que le messager. C'est Tyson qui wow, m'a dit... Wow, attends. Tyson Latchford. Tout de suite, ça t'intéresse, hein? Ok. Voilà le plan à suivre. Oh non, putain! Tyson. Normalement, je devais te prévenir, mais... Oh, trop tard. Dab, c'est quoi ce bordel? C'est la fête! Non, c'est bon, c'est repéré et... Il faut la bagnole qu'il faut qu'il fasse le père. Désolé. J'ai compris. Oh, c'est lourd, mec.
Je te dis pas depuis combien de temps j'ai cette clé. Et t'as sûrement pas envie de savoir où elle a traîné. Qu'est-ce que tu fous? Dès qu'il aura fini de balader les flics, Tyson te retrouvera au château d'eau. Profite de la distraction. Attends, quoi? Fonce jusqu'au château d'eau. Hé, hey, attends une seconde. Où tu vas comme ça? Tu m'as pas écouté? Je parle pas chinois pourtant. Va au château d'eau. Fonce! Les unités au sol n'ont pas le suspect en visuel. En patrouille. Si vous êtes à l'intérieur, sortez immédiatement. En patrouille, aucun signe du suspect. Quoi? Vous avez quelque chose? Non, mais je vais aller jeter un œil. Pas question qui nous échappe. Affirmation. C'est quoi ce bordel? Ne bouge plus! Sur ma position. Police, identifiez-vous. Hein? Si vous êtes à l'intérieur, sortez immédiatement. On patrouille, aucun signe du suspect. C'était quoi ça?
viseur. On patrouille. Ça me tue les pénis, je sais pas. Qu'un signe du suspect.